Alors, pour faire démarrer la séance de mathématiques aujourd'hui, tu vas me montrer si tu sais maintenant compter jusqu'à 10. Alors, si tu sais compter jusqu'à 10, tu as déjà réussi les fois d'avant, essaye d'aller un petit peu plus loin. Mets la vidéo en pause et essaye de compter le plus loin que tu peux. Nous, aujourd'hui, on va essayer de compter jusqu'à 10 pour démarrer la vidéo. C'est parti! Allez, on y va! 1! Dix, tu as réussi? Alors, si tu as un peu de mal, remets en pause et réessaye tout seul. Et puis, tu sais qu'il est important aussi de reconnaître les chiffres. Alors, attention, je te les montre. C'est le 5. C'est le 1. C'est le 3. C'est le 2. C'est le 4. Tu les as reconnus? Ah, oh, super. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas, tu y arriveras bientôt. Alors, continuons avec les petites questions, les petits problèmes. Ah, regarde, comme c'est le printemps, Jaune veut offrir un bouquet de fleurs à Rouge. Un bouquet à Bleu, pardon. Il veut offrir un bouquet de fleurs à Bleu. Il veut offrir un bouquet avec trois fleurs. De quelle couleur est le bouquet qu'il va prendre? Donc, il veut offrir un bouquet avec trois fleurs. Le vois-tu, ce bouquet? Avec trois fleurs? De quelle couleur est-il? Ça y est, tu as trouvé? Alors, je te montre la réponse. Ah, ben oui, il offre le bouquet bleu. Il voulait un bouquet avec trois fleurs. Trois. Trois. C'était le bouquet bleu. Alors maintenant, cette fois-ci, c'est Bleu qui est dans son jardin. Et elle veut donner une salade aux petits moutons et deux salades aux grands moutons. Combien donne-t-elle de salades en tout? Elle donne une salade aux petits moutons et deux salades aux grands moutons. Combien a-t-elle donné de salades en tout? Tu as trouvé? Tu peux mettre pause hein, sur la vidéo pour réfléchir si tu veux. Attention, je montre la réponse. 3, elle a donné 3 salades en tout. 3, 3. Et oui, une salade pour le petit mouton et deux salades pour le grand mouton. 1 et 2, ça fait 3. 1 et 2, ça fait 3. Super! Prenons maintenant notre livre qui nous aide à apprendre les quantités. Tu te rappelles, on compte les outils. Alors, je tourne la page. Attention. Nouvelle page. Ah, nous comptons toujours des outils. Mais cette fois-ci, ce sont des chiffres qui sont écrits ici. Alors, on y va. Sur cette page, il y a 4. 4 quoi? Sur cette page, il y a 4. 4 tournevis? Où sont-ils? Les vois-tu? Il y en a 3 en haut et en bas. 3 et 1, ça fait 4. 3 et 1, ça fait 4. Où est le 4? Reconnais-tu le chiffre 4? Alors vérifions qu'il y a bien les marteaux derrière le 4. Oh, les tournevis. 4 tournevis. Nous avions compté les tournevis, c'est ça. 3.
3 et 1, ça fait 4. 3 et 1, ça fait 4. Alors, sur cette page, il y a 3. Sur cette page, il y a 3 marteaux. Où sont les marteaux, les vois-tu? J'en vois un en haut et deux en bas. Un et deux, ça fait trois. Un et deux, ça fait trois. Vois-tu le trois? Le chiffre trois? Où est-il? Alors vérifions qu'il y a bien les marteaux derrière le trois. Trois marteaux, c'est ça, trois marteaux. Un et deux, ça fait trois. Un et deux, ça fait trois. Sur cette page, il y a deux quoi? Sur cette page, il y a deux scies. Les vois-tu, où sont les scies? Une et encore une, ça fait deux. Un et un, ça fait deux. Vois-tu le chiffre deux? Où est le chiffre deux? Alors regardons qu'il s'agit bien des six. Deux, six, c'est ça. Un et un, ça fait deux. Un et un, ça fait deux. C'est ça, deux six. Bravo!